quoi aller chercher à produire 12 000, 13 000 litres de lait par vache alors que tu gagnes ta vie avec une vache à 4 000 litres. Après, il y avait l'autre enjeu qui nous intéressait, c'était d'arrêter de détruire la planète, quoi. Est-ce qu'on disait l'autre jour, tu vis pour produire ou tu produis pour vivre? C'est comme ça qu'on réfléchit aujourd'hui et je pense qu'on est bien plus heureux aujourd'hui qu'il y a 3-4 ans. Moi, je me suis installé en 1985 avec les parents. Quand je me suis installé, on a repris deux petites fermes, comme à l'époque, hein, des fermes de 25 à 30 hectares. Moi, je suis passé directement en système intensification, c'est-à-dire zéro pâturage, juste un hectare de balade pour les laitières. Puis, petit à petit, on a monté la génétique, parce que j'aime bien. Quelques petits concours eurogénétiques de 90 à 94. Où ça a bien marché en plus, parce qu'on a fait 6 prix. Avec 2 vaches? Avec 2 vaches, oui. Et puis, notre ration à nous était simple à l'époque. Beaucoup de maïs, beaucoup de concentré, un peu de foin pour faire ruminer la paille, et puis ça roulait comme ça. Ça va, toi? De toute façon, quand je me suis installé, moi, mon but il était simple, c'était, entre parenthèses, devenir le meilleur. Donc on a réussi à être 5 fois premier du département en production, en matière utile. Après, on a des vaches qui ont été premières en matière utile sur une année laitière, enfin différents prix. Ça, c'est USA. Elle a été première du département en matière utile sur une lactation. Une tonne de matière utile en 305 jours. Pas mal pour une vache. À cette époque-là, c'était que boulot, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait absolument rien d'autre. De toute façon, quand tu es dans un système intensif comme ça, que tu veux être le meilleur, il faut passer un maximum de temps dans tes vaches. Tu ne dois rien laisser au hasard, tu dois tout maîtriser. Et donc, dans ce cas-là, tu fais que ça, tu ne penses qu'à ça. Et moi, je voulais surtout pas que mon gamin il revienne dans un système comme ça. Parce que pour moi, il n'y avait pas de fin. De toute façon, il fallait produire de plus en plus, et t'en restait de moins en moins. Tu étais tout le temps dedans, tu ne pensais jamais à autre chose. Et moi, je voulais qu'on gamin ait une vie. Donc, quand j'avais 10 ans, à peu près, j'allais tout le temps à la ferme. Je faisais des concours, tout ça, avec mon père. Et puis, lui, il ne voulait vraiment pas que je reprenne la ferme. Il trouvait que ce n'était pas un bon cadre, un bon métier pour moi plus tard. En 2009, on s'est retrouvé suite d'un départ d'un associé céréalier, deux éleveurs ensemble. Une crise laitière, la tête dans le mur. On s'est dit, si on continue comme ça, on est mort. Comme on a réestimé toute la ferme pour le départ de l'associé, les mises aux normes, la trésorerie était mise à mal. 2009, c'était compliqué. Quand tu vas à la banque pour qu'ils te fassent un prêt, qu'ils passent sur ton compte et qu'ils ressortent pour reboucher les trous, il fait que passer. Enfin déjà que le banquier soit d'accord pour le faire, c'est déjà bien, mais après, là tu te dis, il faut faire quelque chose, hein, de toute façon, c'est ou tu fais quelque chose ou tu changes de métier, donc.
Je me suis installé au 1er décembre 2015, à la suite de mon père. J'ai repris du coup le cheptel, les bâtiments et le matériel. C'est vrai que quand je me suis installé, j'ai continué sur ce qui se faisait sur la ferme auparavant, donc le système classique où les vaches avaient du maïs en silage, correcteur azoté type soja et de l'herbe à côté, de l'enrubanné, de la paille, et enfin voilà. Et c'est vrai que ben, il y avait 70 vaches quand je me suis installé. Les vaches produisaient 6 000, 6 500 litres de lait sur l'année par vache. Donc c'était un système qui roulait, qui fonctionnait bien. J'avais fait une bonne première année en 2016, tout roulait, j'aurais très bien pu continuer sur ce système-là, en fait, pour voilà, me sécuriser et me conforter, enfin voilà, en termes de finances, quoi, financièrement parlant, oui, j'étais bien, je me dégageais un bon salaire, même si mes besoins ne sont pas élevés, voilà, je me retirais 1 800 euros net dès la première année, c'est quelque chose de super. Le système en soi fonctionnait, mais c'était pas, ça correspondait pas à mes valeurs et à ce que je souhaitais réellement faire. Je sentais que je ne pouvais pas continuer comme ça, à travailler 7 jours sur 7. À faire plus de 12-13 heures d'horaire dans mes journées de travail. Ça ne me correspondait pas et j'ai fait ça pendant un an et demi. J'étais très fatigué, à me mettre la pression, à produire du lait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé le système. Le système a évolué vers le système herbe. Moins de temps je passe sur le tracteur et mieux je me porte. J'ai jamais utilisé un pulvérisateur, étant jeune ou même quand j'étais salarié avec mon père sur la ferme, j'ai jamais utilisé le pulvérisateur. C'est toujours mon père qui l'a fait avec. Et ça m'a jamais intéressé de traiter des cultures ou de l'utiliser. C'était quelque chose que, quand je le voyais, le pulvé en train de se remplir avec les produits et l'eau, c'est quelque chose que. Ça me plaisait pas forcément. On est arrivé sur l'exploitation en 1997. Moi, j'étais assez beaucoup branché production. Donc, c'était un troupeau qui tournait à 7000 de moyenne, à peu près. Que des prix Molstein. On a augmenté la production pour arriver à 2003, on était à 2004, on était à 12 000 de moyenne par vache. Moi, j'étais au bout du système. Hein. Tout à fait. Faut quand même de noter que maman elle est partie bosser à l'extérieur à un moment. La ferme, elle pouvait. La ferme, elle ne pouvait pas besoin de la famille. Ouais. On avait 4 enfants. Mais c'est surtout. Ce système hyper intensif et qui fonctionne, hein, et moi je reconnais, j'ai aucun problème avec ça, moi j'étais bien là-dedans. Hein. J'ai assimilé moi-même, j'ai fait des concours, c'était super intéressant, on rencontre plein de gens qui sont hyper motivés, on a traité 3 fois par jour, on a fait 2 hivers. Ouais. Là ça cartonne, hein, on tournait à 40 litres de moyenne par vache. Hein.
Oui, ça aurait pu fonctionner. Sauf qu'on avait quand même un problème. Il y a quand même un énorme problème. Là, c'est pas que nous, mais c'est général. C'est que le prix du lait, il bouge pas. Mais par contre, toutes les charges, elles n'arrêtent pas d'augmenter. Donc il arrive forcément un moment où ça va coincer, quoi. Donc on a tout fait voilà, pour aller là-dedans. Moi j'ai participé au niveau de l'Europe, avec l'European Milkboard. Après nous on a négocié au départ, c'était clair, hein, c'était simple, hein, on voulait un prix du lait qui couvre les coûts de production et qui permette à toutes les familles, n'importe où en Europe et après dans le monde, de vivre décemment de la production laitière. Voilà, c'était très clair. Si tu veux changer la donne, faut aller au ministère de l'Agriculture, à la Direction Générale de l'Agriculture à Paris, et puis après, bah, il faut aller au niveau de l'Europe, à la Commission européenne, au Parlement, voilà. Donc, on a fait tout ça. Après, bah, la réponse, elle est à chaque fois, bah, de toute façon, c'est pas possible. De toute façon, on ne peut pas vous payer ce prix-là. Et puis bah, après, tu vas au bout de ce que tu peux faire. Et puis, bah, pourquoi tu arrêtes? Parce qu'un jour, tu t'aperçois que, bah, de toute façon, tu es allé au bout du truc et que y a un mur, enfin une montagne, un mur, hein, je sais pas comment on peut dire, mais que bah, de toute façon, elle est pas franchissable de cette manière-là. Après, on a eu un autre problème qui s'est greffé, c'est qu'on a vu qu'à partir de, surtout de 2007-2008, on avait beau faire tout comme avant, mais les résultats de production n'étaient plus là. Et on a fini par trouver des mycotoxines. Donc on avait des mycotoxines dans le maïs depuis très longtemps, dues à la monoculture de maïs. Est dû aux techniques culturelles, puisque bah, plus ça va, moins on labourait. Donc bah, quand on a eu trouvé ça, on a pensé qu'on avait trouvé la solution et la raison de nos problèmes. Et donc on a commencé par mettre des capteurs de mycotoxines dans la ration. Ça coûte très cher. Pour des résultats moyennement satisfaisants, si ce n'est qu'on perdait un peu moins d'animaux. Mais bon, c'était pas le top, quoi. Ça, au niveau production, ça redécollait pas. Et là, ben, avec les investissements, il y avait quand même un gros problème. Et en plus, on avait une charge de boulot qui était encore plus importante, parce que en plus de s'occuper des terres, du bâtiment et tout ça, ben, il fallait soigner les animaux. Parce que là, ça devenait, on perdait des vaches, tout ça, on voyait pas l'issue, quoi. J'ai regardé des groupes sur Facebook, tout ça, et j'ai vu qu'il y avait des gars qui faisaient pas mal de pâturage. Et puis on en a discuté. C'est venu parce que ils nous ont dit que pour régler les mycotoxines dans les terres, il fallait mettre de l'herbe. Et donc du coup, nous, on s'est dit, mais l'utilisation de l'herbe, comment on va faire? C'est ça, c'est venu aussi parce qu'au départ, l'utilisation de l'herbe. Parce que le maïs, en vallée, on fait 16 tonnes, alors faire 16 tonnes d'herbe sur le même hectare, ça me paraissait compliqué. Et économiquement, pour être viable, il fallait faire 1 million de litres sur la structure. Donc faire 1 million de litres avec 90 vaches et 90 hectares, il faut être hyper performant. Donc faire 1 million de litres avec de l'herbe, ça nous paraissait compliqué. Même si on croyait en l'herbe, mais il y avait quand même un... C'était vraiment... on s'est vraiment beaucoup mis en question parce que de toute façon, économiquement, ça passait pas si on... Ça passait pas. Donc il a fallu faire un gros travail de recherche et d'aligner des chiffres sur un papier et savoir où est-ce qu'on allait.
façon, on a réfléchi de 2009 à 2011. Donc pendant 2 ans, tu as le temps de penser. Donc on a envisagé tous les systèmes, c'est-à-dire continuer d'intensifier encore plus, produire encore plus, toujours avec de la rechaîne, bien sûr. Donc on a regardé les robots de traite, le système Vector avec la cuisine pour l'alimentation. Après, le but était encore de produire de plus en plus. Hein. Tu te retrouves avec un troupeau à 12 000 kilos sans problème, si tu nourris encore plus. Mais après, on s'est dit que c'était pas ce qu'on voulait, quoi. Et puis il y avait le coût quand même. Hein. 2 robots de traite, 1 Vector, un minimum, c'est autour de 500 000 euros avec la cuisine et tout. Donc je pense que c'était pas vraiment le truc à faire, quoi. Nous, notre but maximum, c'est la marge au millilitre. C'est plus produire notre référence, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce qu'on produit, ça nous rapporte des sous. Ce qu'on veut, c'est ramener une plus-value à notre production. Donc pour nous, on avait 2 leviers. C'était la qualité du lait. Alors bien sûr, tout ce qui est qualité, bactériologie, tout ça, ça c'est normal. Mais aussi les taux. Et puis bien sûr, le coût de production. De toute façon, donc, diminuer au maximum le coût de concentré par l'autosuffisance alimentaire. L'herbe, on l'a ressemé, je crois qu'on a dû le faire en 4 ans. On a commencé par 3 hectares, après on en a remis 8 à côté, après encore les 8 autres, puis après c'était le dernier carré. Donc après, par contre, l'herbe, c'est un peu plus délicat, quoi. Si tu dois gérer la montaison, si tu dois... Puis après, il y a la météo qui rentre en ligne de camp. Si un jour il pleut, elles ne veulent pas sortir, ou elles sortent, mais elles massacrent la pâture. Enfin, il faut un peu gérer avec tout ça, quoi. Alors qu'avant tout ça, on n'avait pas besoin de le gérer, hein. C'était beaucoup plus simple. Et puis petit à petit, on est parti sur un changement de race, ouais. En discutant avec certaines personnes. Disons qu'on voulait une race qui était faite pour pâturer. Valoriser de l'herbe. Pas de problème de pâte. Puis notre but principal, c'était de... Produire du lait de qualité. Voilà, redonner de la valeur à notre production. Et redonner la valeur à notre production, c'est surtout par les taux, la qualité du lait. D'où la GRJS. On a eu la chance d'avoir des partenaires compétents pour nous guider, nous conseiller à la Chambre d'agriculture, même au contrôle laitier, la race gergiaise. On a été très bien accueillis par les éleveurs jersey qui sont dedans depuis tout le temps. Ça fait joli. Sa mère, c'était histoire. Non, ça fait joli histoire. Ça amuse comme on peut. Tu quittes un confort, le fait de passer sur un système herbagé, de changer le système. Il y a des fermes où ça peut très bien se passer, et puis la transition vers ce genre de système-là peut se faire tout à fait naturellement. Tandis qu'ici, c'est vrai que l'accessibilité autour de la ferme n'était pas forcément en place. Il y avait toutes les clôtures à mettre en place, il y avait tous les réseaux d'eau à tirer, il y avait vraiment tout le système à mettre en place pour que les vaches puissent pâturer. Donc ça a été un investissement à ce niveau-là, mais c'est vrai que, j'ai eu des peurs, des craintes au départ à pouvoir réussir à bien gérer l'herbe. Au fond de moi, je savais que c'était ça qu'il fallait que je voulais faire. C'était vers là qu'il fallait aller. Et je me donne les moyens pour réussir et pour gagner en technicité aussi pour la gestion de l'herbe. Il faut aussi savoir s'entourer de personnes qui le font déjà depuis plusieurs temps. Pour pouvoir réussir à franchir les barrières, il faut s'entourer, il faut aller voir ailleurs. Il faut voir comment ça marche chez d'autres qui ont déjà
réaliser beaucoup de choses. Et parce que c'est pas nouveau et ça fait déjà plus de 30 ans que certains le font, donc ils ont déjà un recul assez conséquent là-dessus. Et s'il y a des questions, s'il y a des peurs, il faut aller voir ces gens-là. Ouais, bah, le plus dur en fait, c'était avec mon père, quoi. Le plus dur, c'était à ce niveau-là, quoi. Et ça, c'était un élément que j'avais pas forcément pris en compte, quoi. Ouais. Moi, je m'inquiétais un peu parce qu'il avait des prêts à rembourser, tout ça, et je voulais absolument aussi qu'il tire un salaire. Je voulais pas qu'il ne vive, qu'il ne travaille que pour rembourser ses prêts. Ce que j'ai connu, moi, pendant 10 ans, où j'ai vécu sur le salaire de ma femme, parce qu'il fallait mon salaire, c'était rembourser tous mes prêts. Donc, je voulais pas que mon histoire se répète chez lui, quoi. Et donc, voilà, donc je me disais, ben voilà, 2 fois moins de lait, voilà, donc ça que je craignais un peu, quoi. Après, qu'il fasse la méthode de culture ou d'exploitation ou d'élevage, qu'importe. Mais c'était ce qu'il a à la fin du mois dans son portefeuille, quoi. C'est ça qui m'inquiétait, quoi. Petit à petit, où je prenais mes marques et voilà, je prenais en main la ferme. Du coup, le système qui était en place ne me correspondait plus vraiment. Et quand j'ai voulu partir avec mes idées, mes envies, c'est vrai que du coup, il y a eu un peu le conflit de génération entre père, fils, où voilà, il fallait prouver que le changement que je voulais amener fonctionnait et pouvait fonctionner. Donc, il y a eu quelques conflits, c'est vrai, sur... Ben, le fait de distribuer du maïs ou pas, pour que les vaches puissent valoriser l'herbe dehors. Donc voilà, pour la petite anecdote qui me fait rire, mais voilà, j'étais obligé d'enlever les clés du tracteur pour pas que le maïs soit distribué pour les vaches et pour qu'elles puissent brouter de l'herbe et ne pas manger le maïs qu'il y avait là dans l'auche, quoi. Donc bon, voilà, c'est des petits détails comme ça qui ont fait que du coup le parcours a été un peu, on va dire, compliqué entre guillemets. Quand il a fallu qu'il enlève le tank à lait, il y a un tank à lait de 5500 litres, il a remis un tank de 5-3000 litres. Je me dis, waouh, ça fait tout drôle. C'est vrai que quand on voit tout ça, on se dit, ben, il va droit au mur, quoi. Il va produire moins, il va... Ouais, donc j'espère qu'il a un bon cheminement pour arriver quand même à gagner sa croûte, quoi. Pour l'instant, c'est plutôt compliqué financièrement. Je suis plus, on va dire, la trésorerie est plutôt en flux tendu plutôt que... Voilà, j'arrive à payer la banque, mais après, la marge de sécurité et les prélèvements privés sont un peu impactés, mais ça reste de l'ordre du raisonnable encore, quoi. Enfin, je peux payer mes emprunts, donc voilà, c'est... Et c'est lié aussi à la baisse de production de lait. À ce moment-là, tu as une production, surtout quand tu as des compteurs à lait. Tu vois les compteurs tous les jours diminuer un peu plus. Donc tu commences à stresser parce que tu te dis que tu vas pas réussir à garder une production assez haute. Quand tu commences à changer de système, le problème, c'est que tu as toujours le coût de l'ancien qui se répercute parce que tu n'as pas réussi à tout payer. Donc, il se répercute et toi, tu es en train de changer de système. Donc, tu es en train de baisser en production, etc. Donc, du coup, tu as moins de rentrée d'argent alors que tu as plein de factures qui sont en attente. Donc, le temps d'éponger toutes ces factures, c'est là où c'est le plus dur. Mais une fois que toutes ces factures sont payées, eh ben, tu retournes dans un équilibre et voilà. Après, production par vache, de toute façon, 10 005. Maintenant, 2017, on voit même pas où on en est. On est en dessous de 5 000, en dessous de 6 000.
Les taux, par contre, c'est le sens inverse. Hein. De toute façon, ça fait que monter. Avec la qualité, on gagne entre 100 et 120 euros de plus au millilitre, rien qu'avec les taux. Quand on parle 3 tonnes d'eau de concentré en 2009, puis qu'après, tu retrouves déjà, par exemple, en 2011, déjà à 1 tonne 5, c'est-à-dire moitié, même pas. Là, en grammes de concentré par litre, c'est déjà une grosse différence. Donc après, comme je disais, la première année, on a économisé 30 000 euros d'aliments. 30 000 euros, rien qu'au mois, ça se voit déjà. Donc à la banque, ça se voit, hein, de toute façon. Ouais, je te dis, les classeurs, il y en avait deux avant avec les factures, mais il n'y en a plus qu'un. Et il n'est pas plein à la fin de l'année. Bah, disons qu'économiquement, ça va beaucoup mieux, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Il faut des années. Hein, pour. Faut dire qu'aussi, notre troupeau au Jersey, on l'a monté sur, au moins 9 ans. Quoi. On a rien réformé qu'il ne fallait pas. On a acheté pendant 5 ans, mais on n'a pas acheté tout d'un coup. Donc ça s'est fait petit à petit, hein. Donc le bilan s'est redressé petit à petit aussi. Comme je dis, si on paye nos factures et puis qu'on arrive à sortir un salaire, que nos gamins ils puissent faire les études qu'ils ont besoin de faire, le reste... Aujourd'hui, bah, donc, le système il fonctionne tel qu'il est. On est passé, donc on a fait la conversion bio. Et c'est ce qui nous a sauvés, c'est qu'en fin de compte, c'est pas vraiment le fait d'être en bio. C'est pas vraiment à la limite, c'est même pas le prix du lait au début, c'est la baisse des charges. C'est ça le truc. C'est la baisse des charges qui nous a sauvés parce qu'on est passé de ben forcément, je ne sais pas combien de tonnes d'aliments, coûts de méca, les semences, enfin, les tout quoi. Les vétos, tout ça, ben, en une année, ces charges-là, elles sont écroulées. Quoi. Quand on voit l'exploitation aujourd'hui, on fait 10-12 hectares de maïs et que de l'herbe. On fait plus de céréales et on a mis de l'herbe partout. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui, on va dire 70% de la ration, c'est le pâturage. Alors qu'on a une pluviométrie annuelle de... 650. Ouais, à peine. L'été, du coup, dès qu'il n'y a plus d'herbe, déjà, quand ça commence à diminuer, on les sort plus qu'une demi-journée. Le reste du temps, ils sont en bâtiment avec une ration, donc du verre et de l'ensilage d'herbe, puisqu'il n'y a plus d'ensilage de maïs l'été. Et après, on les laisse en bâtiment, quand il n'y a plus de pâturage du tout, on les laisse en bâtiment 24 heures sur 24. Jusqu'à l'année dernière, elles ont été rentrées du 14 juillet au 15 septembre. Et après septembre, c'est pareil, on a recommencé à sortir une demi-journée et c'est comme ça qu'on fait. Il faut adapter le système à soi déjà. Voilà, jusqu'où on est capable d'aller, de supporter, d'aller, et après à l'adapter à sa région et à son exploitation. Faut pas faire un copier-coller de ce que font certains, parce que chez nous, c'est peut-être pas possible de faire des choses que font les Bretons. Après, dans notre système, il y a quand même un facteur limitant. Et ça, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est la sécheresse tous les ans. L'idéal, ça serait une année 2017, quoi, mais tous les ans, mais ce n'est pas le cas. Depuis qu'on a semé de l'herbe, franchement, les mois d'été sont hyper chauds. On se croirait plus en Champagne humide. Et on est obligé de gérer un peu différemment et surtout d'avoir encore du stock. C'est pour ça que maintenant, on est reparti avec... Alors qu'avant, on ne faisait pas du tout l'ensilage d'herbe. Maintenant, nos stocks, il faut qu'on les fasse surtout au printemps.
Le voisin chez nous, c'est la champagne humide, c'est-à-dire que les sols ne portent pas l'hiver. Si jamais on met les bêtes dehors l'hiver, ben, au printemps, t'as rien, tout est défoncé, c'est mort. Donc on est obligé de les garder à l'étape pendant minimum 5 mois. Mais on les met dehors le plus longtemps possible, hein, ils sont bien dehors. Hein. Moi, au niveau de mon parcellaire, c'est pas parfait. J'ai pas non plus. Il y a 28 hectares accessibles. C'est assez limité sur la saison avec un nombre d'animaux important. J'ai réussi à augmenter la surface accessible autour de la ferme en faisant les échanges à l'amiable avec mes voisins. Et c'est chouette de pouvoir s'entendre comme ça avec ses voisins et de pouvoir faire des échanges pour pouvoir voilà, continuer de mettre les animaux dehors et voilà, perpétuer le système. Que ce système-là me convient à 100% et que j'ai plein de projets. On a plein de projets qu'on peut faire et moi, je suis hyper contente d'avoir fait ça. C'est pas facile tous les jours, mais je pense qu'aucun travail n'est facile tous les jours. Donc, moi, c'est que du positif. Non, pourquoi ? Tu veux pas mettre ta main, toi ? Oui, il y a des jours où t'as pas le temps de rester chez toi parce que t'as des trucs à faire à la ferme, qu'il y a des impératifs, que des fois il y a des soucis, parce que c'est pas parce qu'on est en herbe et tout ça qu'il n'y a pas de soucis. L'avantage de ce système avec le travail, c'est qu'on passe quand même deux fois moins de temps dans le tracteur, sûrement. Donc, moi j'adore ça parce que le tracteur, j'aime pas ça. Je suis pas à l'aise du tout, donc tant mieux. Et c'est hyper agréable de passer peu de temps dans le tracteur et de sentir qu'on fait un travail qui est important, avec nos mains. Allez. Là, il y a une super belle vue. Je voulais être en cohérence avec mes valeurs et travailler et voilà, voir les animaux dehors, c'était ça mon objectif en fait. C'est comme ça que j'ai amené petit à petit la ferme à évoluer vers un système herbager, quoi, parce que voilà, je voulais nourrir mes animaux dehors et ne pas forcément avoir de tracteur à démarrer pour les nourrir, quoi. Moi, je prenais pas plaisir à monter sur le tracteur et à distiller du maïs en silage pour nourrir les vaches. Moi, mon plaisir, c'est de les voir dehors à manger de l'herbe. Ouais, à l'heure actuelle, de dire que ouais, je suis fier que mon fils, ça va faire bientôt 5 ans. 5 ans qu'il est installé. Et on voit déjà qu'il commence à s'épanouir. Ça, c'est une écho. Écho 1, 44. Moustique.
plein. Ouais, c'est plein. C'est un embryon à combien, ça, ça... 76 jours, c'est ça? On a quand même gardé notre petite passion pour la génétique à un niveau moindre et sans faire de folie. On a eu la chance d'avoir une vache qui arrive en 2012, qui a été concourir au salon à Paris en 2015, qui l'a remporté tout, qui l'a regagné en 2019. Il y a même des petits poussins chez mon fils. Avec notre système herbe, on trouve qu'on a gagné en qualité de vie. On n'est plus toujours la tête dans le guidon. Moi, je fais un peu de vélo en cyclotouriste, hein, bien sûr. Patrick est passionné d'oiseaux, donc il a ses volières, il a ses oiseaux, il fait un peu de vélo, du jardin. On a une vie de famille, on n'est pas dépassé par les événements. Les journées se terminent beaucoup plus tôt maintenant. Avant, quand tu faisais tout à fond, aussi bien les semailles que les récoltes et tout, c'était beaucoup plus lent les journées. Tout en découle, la gestion de pâturage dit aussi la gestion du bocage. Il est vrai qu'ici, dans Finistère-Nord, rebombrement, les haies et tout ce qui est arbres a été plutôt rasé pour augmenter les surfaces. Et moi, je commence à faire l'inverse. C'est important, l'arbre est important dans le système parce que ça profite, les animaux peuvent profiter des arbres pour s'abriter du vent, du soleil. Et ensuite, les arbres limitent l'évapotranspiration aussi au niveau des pâtures. Donc potentiellement augmentent le rendement à l'hectare dans les paddocks. Et c'est vrai que j'ai tendance à partir un peu vers l'agroforesterie, du moins c'est ça mes projets, de remettre l'arbre au cœur du système et de les remettre en plein milieu des champs en fait. Bon, alors on a planté les arbres, le but c'est de créer un microclimat dans la parcelle, parce qu'on est parti au rue. Nous, le réchauffement climatique, on y croit, il n'y a pas de problème, de toute façon on est dedans. Donc le but c'est de créer un microclimat, comme avec la mare, comme avec Saint-Tout. Parce que si tu veux faire du lait à l'herbe, il faut de l'herbe, ça paraît logique, donc c'est notre truc. En Espagne, ils le font depuis 30 ans, donc nous on s'est dit pourquoi pas le faire, voilà, c'est tout. Après, les vaches, elles aiment bien se promener dans les parcelles avec de l'ombre, elles se couchent plus facilement, elles ont tendance à mieux y rester quand même. Quand je me suis installé, j'ai repris deux petites fermes. Il y avait plein de vergers, plein de haies, mais moi je sortais de l'école et tout ce qu'on devait faire, c'était semer du maïs, nourrir les vaches à l'auge et donner du concentré. Donc on a tout arraché, tout drainé, tout retourné. Donc on fait que refaire ce qu'on a fait, quoi. Plutôt que d'avoir des hectares de maïs au pied du hangar, je pense que d'avoir de l'herbe, des arbres, des haies pour la faune, la flore, ça ne peut être que bénéfique. Pourtant, on a fait des mares aussi, ça on n'en a pas parlé, on entend des grenouilles chanter, c'est pas important. Ah, les petites grenouilles. Les petites grenouilles, c'est sympa. On a vidé la bouteille pour pouvoir avoir un prétexte pour revenir. Ça permet de casser un peu tous les clichés qu'il y a sur l'agriculture française.
l'agriculture qui pollue, l'agriculture qui salit, l'agriculture qui... Voilà, il y a peu de gens qui sont invités au final à venir dans les fermes et nous, on ouvre notre ferme et les gens peuvent venir à la ferme aussi tous les soirs pendant la traite. Et ça leur permet de voir ce qu'on fait et ça les rassure, je pense. On est dans le magasin de producteurs des agriculteurs voisins, donc le RL Le Petit Pré. Ils font du porc et de la volaille. Et du coup, ils m'ont invité à venir vendre du lait ici à la ferme. Ça m'apporte une petite plus-value sur le lait, puisque je le vends mieux que si je le vends à la laiterie. Et ensuite, ça a créé un contact avec les consommateurs qui est hyper intéressant, puisqu'ils posent des questions et ils sont contents de goûter à un produit non transformé en plus. Et ça crée de l'échange et il y a plus de gens qui viennent nous en demander, et donc c'est que du positif. Les voisins, ils étaient très satisfaits quand ils ont su que Romain est passé en biologie, que vous voyez le trèfle pousser dans les pâtures près de chez eux. Ils étaient très heureux, ils venaient témoigner, ils venaient dire à Romain qu'ils étaient très heureux que Romain soit parti dans cette optique-là, quoi. Donc il avait acheté 4 jerseys, ils ont passé tout l'été dans la parcelle pour de la route, là. Et c'était impressionnant le nombre de personnes qui étaient là à venir les photographier, parce que, bon, c'est vrai, c'était une allure un peu d'une petite biche, tu sais, avec ses yeux, là. J'accueille des groupes sur la ferme d'élèves avec mes anciens professeurs et je suis très fier de leur expliquer ma façon de faire sur la ferme et donner des points techniques, donner des chiffres, donner du concret, du réel et montrer que ça marche et qu'ils ont encore eux aussi des choses à apprendre, quoi. Bah oui, apprendre autre chose, voir autre chose, c'est... C'est pour ça que je suis venu ici. À l'école, on reste assez bloqué sur les mêmes sujets. Et ici, ça me permet de voir ailleurs, d'être formé en formation, de rencontrer des gens et avec l'expérience de Romain. Dans les exploitations aujourd'hui, l'herbe, c'est vraiment partiel. Enfin, on n'en parle pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup. C'est plus une sortie pour les vaches qu'autre chose. Et dans le système de Romain, c'est l'alimentation principale. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est beaucoup plus technique que le maïs pour moi. Et je trouve ça dommage qu'à l'école, aujourd'hui, on ne nous enseigne pas la technique de l'herbe, le savoir. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on a appris à l'école, puisque tu reproduis ce que tu vois autour de chez toi. Hein. Tout le monde est dans un système et toi, tu ne fais que reproduire. À la limite, t'es normal, hein, pour ainsi dire. C'est maintenant qu'on n'est plus dans la normalité, enfin, pour les autres. Pour nous, on était dans le vrai. C'était tous les commentaires qu'on entendait autour entre... Pas directement. Entre tous les commerciaux qui passaient, qui tournent dans la région, et tous les bruits qu'ils entendaient. Hein. Pour tout le monde, on est en train de tout manger. On est novice dans pas mal de trucs, donc on fait des expériences parce qu'on partage et on regarde ce que font les autres, qui sont beaucoup plus en avance que nous, sur pas mal de méthodes. Nous, on a fonctionné par paliers, quoi. Il y a des trucs qu'on fait aujourd'hui, même quand on était parti, quand on a commencé la conversion et qu'on a décidé de partir dans ce système-là, on aurait dit non, de toute façon, nous, on fera pas ça. Je pense à un truc tout bête, c'est de mettre des taureaux avec les vaches. Et moi, j'étais un des premiers à inséminer là. Et puis, elle fait des concours, et ouais, on va pas foutre de taureaux, elle est croisée, machin, elle est croisée, vache, ben non. Et puis, aujourd'hui, on a 4 taureaux, et on fait du croisement, Jersey, Montbéliard, et on est super content parce qu'en fin de compte, on a fonctionné par palier, et on s'est aperçu que, il fallait, pour être encore plus performant économiquement, parce que là, c'est que économique, il fallait qu'on le fasse, parce qu'on allait gagner, on allait encore gagner. Il y a un taureau derrière. Ah bon? Tu les vois où ? Là, deux taureaux comme ça. Il y a deux taureaux ? Ils sont quelle couleur, les taureaux ?
Ils sont gros ou ils sont petits? Ils sont gros. Ils sont gros? Et ils ont des cornes? Est-ce qu'ils ont des cornes? Ah bon? Tu crois qu'ils n'ont pas de cornes? Moi, je crois qu'ils ont des cornes, les taureaux. On va les voir passer, mais moi, je crois qu'ils ont des cornes. J'ai plein de projets encore. Donc, il y a plein de choses. Et ce système, il nous ouvre plein de portes, plein de choses qui sont faisables. Alors qu'avant, je pense qu'avant, il n'y a pas tant de portes que ça. Tu es dans un système maïs, soja, produire. Regardez, celle-là, elle baisse, celle-là, elle monte, t'as moins de... Voilà, donc c'est... Alors que là, nous, on a plein de leviers à... et on a retrouvé une autonomie qui est assez puissante quand même, quoi. Bah après, c'est vrai qu'on est vraiment dans un système là maintenant où c'est vraiment agréable, que bah, les bêtes elles vont vraiment bien. Où je trouve qu'on a trouvé un point d'équilibre entre le travail et puis notre vie à côté. Et puis, il y a toujours des choses à découvrir, c'est ça qui est intéressant dans le métier d'agriculteur. Il y a plein de domaines intéressants et puis on s'ennuie jamais. Normalement, c'est le gamin qui doit reprendre derrière, enfin mon grand garçon, Nicolas. Autant avant, quand on avait la tête baissée, quand on voyait où on était parti, on ne voyait pas le bout du tunnel, je dirais. Il fallait en faire de plus en plus, il en restait de moins en moins. Autant à ce moment-là, j'ai tout fait pour le dégoûter, pour pas qu'il revienne. Autant maintenant, je trouve que c'est un système viable, entre parenthèses, où il y a encore des solutions. Ça peut être la monotraite, ça peut être le bio, ça peut être toutes sortes de systèmes encore à mettre en place, mais où, pour lesquels il n'y a plus grand-chose à faire, je dirais. Et autant là, maintenant, le gamin, ça ne me dérangerait pas. Il n'y a pas aucun souci, au contraire, puis on sera là pour l'aider, de toute façon. Alors disons qu'au bout de 25 ans, je pense que ça nous a redonné le goût de notre métier, je dirais. C'est tellement beau d'entendre une vache qui broute de l'herbe. C'est un bruit exceptionnel. Moi aujourd'hui, la retraite, je suis incapable de te dire quand est-ce que j'ai arrêté. Si ça se trouve, à 70 ans, je serai encore. Je sais pas, à partir du moment où t'es bien, que tu prends plaisir à faire ce que tu fais... D'être bien, c'est ça le plus important en fait, d'être bien dans son métier, d'être bien dans ses baskets. Je pense que à partir du moment où on se sent bien, bah, tout le reste en découle après derrière.